Ici un pan qui est serein, qui est fier, tel un vieux sage. Et donc l'idée c'était de partir sur un message d'espoir également, et puis de dire qu'effectivement le pan a la particularité de perdre ses plumes, tout comme le phénix qui renaît de ses cendres. Donc en fait l'idée c'était à la fois une idée de modernité, de renouveau. Alors étant d'origine arménienne, je voulais aussi indiquer cette histoire-là des Arméniens qui étaient venus en France après le génocide et qui avaient cette idée de reconstruction. Donc le pan est associé à cette image-là. Je viens d'un autre métier, j'étais modiste pendant très longtemps, je faisais des chapeaux sur mesure. Et c'était des pièces uniques et avec beaucoup de broderies. Et à un moment, je me suis dirigée vers la peinture. Pendant que je vivais à Singapour et je commençais à peindre et je me sentais beaucoup plus libre. Par contre, on revoit beaucoup une recherche de broderie et, ouais. Je travaille beaucoup aussi en superposition, c'est-à-dire il y a toujours une première couche, une deuxième couche et jusqu'à ce que ça me plaît, quoi. Moi, c'est la première fois que je fais ça, que je passe devant un jury, donc je suis un petit peu stressée. Alors, je fais beaucoup d'architecture, je fais pas mal de choses au couteau sur des assez grands formats, voire plusieurs amis. Je fais beaucoup sur les thèmes de l'Italie et sur Lyon, puisque c'est ma ville natale. D'accord. Voilà, et un peu sur l'Orient, parce que ça c'est par rapport à mes origines, mais j'ai trouvé un compromis en faisant l'Italie, parce que je trouve que c'est parfaitement entre les deux. Malgré la différence entre les pays, on retrouve toujours universellement les mêmes maisons, quel que soit le pays, il y a beaucoup de ressemblances les uns avec les autres. Et ça se voit au travers des tableaux. Et voilà. Je travaille vraiment, c'est pas du tout un travail qui se construit préalablement avec du dessin, des choses comme ça, c'est vraiment un travail d'instinct et de sensation. Donc je ne prépare rien, si ce n'est mon support sur cette série-là, mais sinon c'est vraiment spontané. Quoi. Voilà. Mais en fin de compte, moi ce que je recherche, c'est le travail sur une forme, ouais, c'est ça. Et puis toujours ma ligne directrice, ce fameux montage en 3D, assemblage avec entre toises, aluminium, etc. Je fais des œuvres aussi qui peuvent aller dehors, donc inox, entre toises, etc. D'accord. Pas de message particulier, c'est un ressenti par rapport à la matière. Alors l'association Regain, Regain Rencontre des Arts, en fait, a été fondée en 1938. Donc cela fait 78 ans que cette association en fait est gérée, présidée par des illustres peintres. Pour n'en citer quelques-uns, des noms un peu connus, donc Camille Miocret, Bricelli. Et c'est surtout en fait à son dernier président que je souhaiterais rendre honneur, en fait, à Nicolas Cosupis, qui a mené, je dirais, avec brio cette association durant 19 ans. J'ai eu la chance, en tous les cas, de l'accompagner, d'organiser le salon avec lui durant une dizaine d'années. Et je le remercie de sa confiance parce qu'il m'a donné les rênes récemment pour avoir la présidence de cette association, et j'avoue que c'est beaucoup de pression. Notre ambition, je dirais, à l'équipe en place, équipe soudée, volontaire, travailleuse, notre ambition, c'est de, bien entendu, d'assurer, je dirais, la pérennité de l'association, mais également, je dirais, d'introduire des nouveaux talents, des jeunes artistes, pour pouvoir assurer cette continuité, sachant que ces nouveaux artistes seront les référents de demain. Les réseaux sociaux, comme on sait, je dirais très bien, aujourd'hui sont incontournables. Ils sont vraiment, je dirais, un vecteur de communication, ils sont vraiment une passerelle directe envers le public, peut-être un public plus jeune justement.
ça, ils nous permettent, en tous les cas, au niveau de l'association, de pouvoir toucher des artistes de façon plus large et également un public d'initiés ou de non-initiés d'ailleurs. Le prochain rendez-vous, c'est bien entendu donc notre prochaine exposition qui va avoir lieu dans un lieu vraiment prestigieux, donc le Quai de Bondy. En fait, on rejoint le Palais des Expositions au Quai de Bondy. Donc on rejoint ce lieu après 2 ans d'interruption puisqu'il était en travaux. Donc ça va se dérouler du 17 septembre. Donc le 17 septembre, le vernissage sera organisé. C'est un samedi après-midi, on vous attend tous nombreux. Et donc du 17 septembre au 2 octobre, donc ouvert essentiellement les après-midi. Plusieurs types d'art vont se côtoyer, donc la peinture bien entendu, mais également la sculpture, l'art photographique et l'art numérique. Voilà. Donc nous souhaitons que les visiteurs, je dirais, puissent admirer l'ensemble de ces œuvres et on les attend en tous les cas très très nombreux. Il y en a 3 qui sont fondamentales, donc la confiance, le respect et l'amitié. Je suis vice-président et responsable un peu de la mise en scène des œuvres, de la sélection aussi. Comme chaque œuvre est différente et qu'elles ne sont pas du tout pareilles souvent, il faut qu'on puisse les accorder ensemble et avec le reste du salon, les autres artistes. Voilà. Par couleur, par la forme, par le dessin, par... voilà quoi. Le renouveau. Bon, je tiens à remercier Monsieur Leclerc, qui est peintre aussi dans notre salon, pour son prêt d'atelier afin de pouvoir faire les sélections. Bravo!